Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série dont tu es le héros, l'héroïne. Je t'invite à t'installer très confortablement et à privilégier un casque ou des écouteurs pour une meilleure expérience. Une fois que tu es prête, que tu es prêt, alors on va pouvoir commencer le voyage. Je t'invite à t'installer très confortablement et à être attentive, attentif à toutes ces choses qui sont autour de toi. Connecte-toi avec les éléments de ce monde qui t'entoure, de ce lieu. Pour essayer durant quelques minutes de te détacher de tout ce que tu connais déjà pour venir te plonger et voyager dans un nouvel univers, celui qui est à l'intérieur de toi. Alors que tu observes la pièce, les lieux, les couleurs, les formes autour de toi. Que tu ressens la température de l'air, de l'ambiance sur ton visage. Alors ton corps se détend de plus en plus. Et peut-être déjà que tu as envie de laisser tes paupières tomber lentement ou de fermer les yeux en douceur pour aller explorer un nouveau monde, vivre un moment unique à l'intérieur de toi. Et en prenant le temps de te plonger dans un autre univers, de laisser tes pensées s'envoler, ton esprit devenir plus léger. Alors tu autorises ton âme et toute une autre dimension de ton être à aller explorer un champ de conscience plus grand. Aller visiter d'autres espaces et recevoir des messages, des indications qui pourraient te permettre aujourd'hui de te reconnecter à ce qui t'anime profondément. Et tandis que tu écoutes le son de ma voix, tu entres de plus en plus à l'intérieur de toi. Alors tu vas rejoindre et voir se dessiner un nouveau décor, un espace inconnu jusqu'alors. Un espace entre plusieurs dimensions. Te retrouve comme dans un palier, un endroit dans lequel ton âme pourrait venir naviguer et rencontrer d'autres énergies, aller chercher de nouvelles informations. »
dans un espace-temps différent de celui que tu vis sur la Terre, dans cette vie-là. Et je me demande à quoi ressemble cet espace. Ce que tu ressens ici. Comment est-ce que tu perçois les sensations dans ton corps? Est-ce que tu ressens ton corps ou est-ce qu'il devient totalement léger ou lourd? Est-ce qu'au contraire, tu peux ressentir et percevoir chacune des émotions qui te traversent maintenant? Je me demande ce que tu vois. Quelles sont les couleurs, les formes, les textures de ce lieu? Est-ce qu'il s'agit d'un espace ouvert ou fermé? Qu'est-ce que tu peux voir ou percevoir juste ici? Est-ce que tu peux sentir des parfums ou des odeurs? Entendre des sons, des mélodies ou des voix particulières? Je me demande d'ailleurs si tu es seul dans cet espace. Prends le temps d'explorer, de visiter et de naviguer dans ce lieu. Tandis que tu avances et que tu explores cet espace, tu entends comme une voix qui t'appelle au loin. Comme si quelqu'un te cherchait. Cette voix qui résonne te guide dans l'espace à avancer jusqu'à elle, jusqu'à cette voix qui appelle ton nom. Et je ne sais pas si cette voix t'est familière ou si elle est totalement inconnue. Je me demande à quoi est-ce qu'elle ressemble. Lorsque cette vibration sonore arrive à tes oreilles et que tu l'aperçois intérieurement, prends le temps de te connecter à cette voix. Écoute bien. Ressens cette vibration. Et plus tu avances, plus elle s'approche. Tu t'approches d'elle de plus en plus. Et cette voix devient de plus en plus claire. Et tu avances encore. Jusqu'à ressentir que tu arrives juste là.
à cet endroit, dans ce nouvel espace, dans lequel résonne cette voix. Regarde à quoi ressemble ce nouveau lieu. Et laisse la voix continuer de résonner et de t'appeler. Peut-être qu'elle te dit quelque chose, une phrase particulière. Et tu arrives à la percevoir de plus en plus, comme si cette voix venait du plafond, du ciel, comme venant d'une enceinte géante qui tourne en boucle et t'appelle. Et le décor dans lequel tu es est différent. Il symbolise et il représente par ses couleurs, ses formes et ses textures, le lieu dans lequel se trouve cette personne qui t'appelle. C'est comme si cet espace se situer dans un autre niveau de conscience, au-dessus, ou à quelques mètres dans l'espace de cette personne qui t'appelle tellement fort, de cette âme qui a quelque chose à te dire. Là aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Si tu as entendu cette voix-ci, qui est totalement inconnue ou peut-être même que tu reconnais, c'est qu'il y a une bonne raison. À l'heure où tu es en train d'écouter ces mots et de vivre ce voyage, cette voix que tu entends est la voix de l'âme qui vibre le plus en résonance avec toi. C'est la voix d'une âme qui te cherche, qui a envie de se connecter à toi, de partager avec toi, de te rencontrer dans la matière, pour une bonne raison. Ton âme a un lien puissant qui t'unit à cet autre. Et la vibration de la voix à laquelle tu viens de te connecter est un lien qui vous unit et t'appelle à découvrir pourquoi est-ce que cette personne te cherche et t'appelle. Durant les prochaines minutes, juste là, tu vas pouvoir voir apparaître une sorte de bouton ou de manette, je ne sais pas. Ce bouton, cette manette qui a une couleur très spéciale va te permettre, lorsque tu l'activeras, de voir apparaître la personne qui porte cette voix, de la voir apparaître juste devant toi. Et lorsque tu vas appuyer sur ce bouton ou activer cette manette, durant les prochaines minutes, tu vas entendre ou voir ou peut-être ressentir pour certains, certaines, pourquoi est-ce que cette personne, cette voix t'appelle? Quel est le message? Quel est l'apprentissage clé? Qu'est-ce que tu dois activer ou libérer avec cette personne?
si tu es prête, si tu es prêt, je t'invite dès maintenant à appuyer sur ce bouton, à activer cette manette et à laisser apparaître durant les prochaines minutes cette personne devant toi que tu pourras ou voir ou ressentir ou même entendre pour te connecter à la raison de cet appel. C'est à toi. Et alors que tu as pu ressentir, que tu peux peut-être voir encore devant toi cette personne, ou la percevoir, ou la distinguer, que tu entends sa voix et ce message, tu vas pouvoir t'engager auprès d'elle à venir effectuer ou poser une action très claire dans la matière dès que tu seras revenu à toi. Par cette action, tu indiqueras à son âme que tu as bien entendu son message et que tu es ouverte, ouvert à recevoir cette connexion dans la matière. En posant ce geste, tu tisses le lien entre toi et cette personne et tu enclenches ce que tu as à vivre avec elle dans ta réalité. Alors à ton rythme, dès que tu seras prête, prêt, laisse venir une action concrète que tu vas pouvoir poser dès que tu seras revenu. Laisse venir les idées, les images. Cela peut être une action très simple. Une fois que tu l'as décidé et que tu le vois, que tu es conscient, consciente de cette action, alors indique à voix haute à cette personne qui se trouve devant toi ou que tu peux ressentir ce que tu vas faire, qui sera le signal que tu autorises cette connexion à avoir lieu dans la matière. Dis-lui simplement à voix haute: mon signal de connexion sera que je vais. Puis tu dis ce que tu vas faire. Répète-le 3 fois à voix haute pour venir l'intégrer dans la matière et que ton message soit reçu. C'est à toi. Alors que tu viens de prononcer ces mots, tu es prêt à venir continuer à avancer sur ta route et à répondre à cet appel. Tu peux t'engager envers toi-même
à poser cette action pour cheminer vers cette nouvelle connexion. Et à ton rythme, tu vas pouvoir tranquillement respirer et sortir du lieu dans lequel tu te trouves. Cette personne devant toi que tu vois ou ressens va disparaître et sa voix va devenir de plus en plus lointaine. Car le message a été entendu et maintenant c'est à ton tour de poser une action. Alors tu respires profondément. Tu sors de cet espace, ce champ de conscience, pour revenir totalement t'ancré dans ton corps, dans l'ici et le maintenant. Tu peux respirer profondément, ouvrir tes yeux, bouger tes bras, tes mains, tes pieds, venir stimuler ton corps. Et boire un grand verre d'eau pour te ramener pleinement dans l'ici et le maintenant. Puis, une fois que tu seras bien réveillé, bien connecté, tu vas pouvoir, pour valider ce voyage, poser cette action. Tu n'auras rien à faire de plus. Après avoir posé cette action dans la matière, durant les 7 prochains jours, tu verras une nouvelle connexion se faire avec cette personne. Tu recevras un retour, que tu la connaisses ou pas. Quelque chose de merveilleux va se produire. Quelque chose qui aura du sens pour toi. Du sens avec ce que tu viens de vivre. Alors tiens-toi prête, tiens-toi prêt à devenir pleinement le créateur, la créatrice de ta nouvelle réalité. Cette aventure se termine ici, mais je te retrouve très prochainement pour un nouveau voyage au cœur d'une nouvelle réalité durant laquelle tu seras le héros, l'héroïne. Et pour aller plus loin, découvre toutes mes séries et programmes sur mon site lamagiedalessa.com. J'ai hâte de te retrouver pour un prochain épisode.